Bonjour Esbon. Bonjour Juan Gomez. Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs de la presse sur l'actualité. J'ai deux questions que je vais poser successivement sur le procès qui se déroule en ce moment au Burkina Faso sur l'assassinat de Thomas Sankara. Allez-y. Emmanuel Macron avait promis en 2017 de déclassifier les documents sur la mort de Thomas Sankara. Est-ce que toutes les archives ont été déclassifiées? La défense burkinabé a-t-elle eu accès à ces documents pour préparer sa défense? Alors, Bruno Jaffré, c'est vrai que c'était une promesse du président Macron, mettre à la disposition du Burkina Faso les archives françaises sur le dossier Thomas Sankara. Il y a eu tout de même trois lots transmis par la France aux autorités burkinabées. Oui, alors on est à peu près au courant de ce qu'il y avait dans les deux premiers lots, puisqu'il y a eu des articles écrits par un journaliste burkinabé qui visiblement a eu des informations. On ne sait pas encore trop ce qu'il y a dans le troisième. Mais ce qui est important de dire, c'est que la présence de Français le 16 octobre à Ouagadougou pour détruire les écoutes téléphoniques... 16 octobre, donc, nous sommes le lendemain de l'assassinat, voilà, et du coup d'État. Cette information résulte de l'enquête du juge François-William Méogo et elle n'est pas présente dans les archives qui ont été fournies par les Français, à ma connaissance. Et donc, ça montre bien que, en tout cas, à la fin du deuxième lot, les documents secrets défense n'ont pas été fournis. Maître Farama, j'imagine qu'en tant qu'avocat, vous avez eu accès aux documents transmis par la France. Oui, officiellement, nous avons eu accès aux deux premiers lots, parce qu'il faut rappeler que le dernier lot est arrivé parvenu au juge d'instruction après la clôture même de l'instruction. Mmh. D'ailleurs, ce que nous n'avons pas compris, parce que c'était une promesse de la France. Il y a eu deux lots qui sont venus et il y a eu un temps fou entre le deuxième lot et le dernier lot transmis après clôture de l'instruction. Et comme le disait M. Jaffré tout à l'heure, nous avons compulsé les deux premiers lots. Autant vous dire tout de suite que nous avons été déçus parce que certains documents qu'on a jugés secret défense, n'en était absolument rien. C'est-à-dire, concrètement... Il y avait même des tracts qui couraient les rues à Ouaga ici, mais qu'on a transmis au juste comme étant des éléments du dossier classé secret défense. Oui, donc concrètement, Prosper Farama, si je comprends bien vos propos, les documents fournis par la France ne vous ont pas permis d'en savoir davantage sur les circonstances, les causes et les responsables de l'assassinat de Thomas Sankara. Surtout, il est important de préciser que si le juge avait sollicité ces documents, c'était pour pouvoir se faire une idée sur l'implication supposée de la France dans cette affaire. Or, les éléments qu'on a reçus, oui, on peut le dire, n'ont en aucun cas fait avancer le dossier dans ce sens-là. Même pas dans le sens de révéler des éléments nouveaux quant aux circonstances de l'assassinat de Thomas Sankara, même si c'est vrai. Oui, il y a des informations qui en transparaissent, mais bon, rien d'important, hein, dans notre avis.